avant cela, comme chaque matin, l'édito politique. Et le vendredi, c'est avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Bon, vous avez l'air d'être en pleine forme en cette rentrée. Je vous le confirme. Vous voulez nous parler de la GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire le recours aux mères porteuses, parce qu'il y a eu une déclaration hier du ministre des Transports, Clément Beaune, qui se déclare favorable en cette rentrée à l'extension de la GPA. Et pourquoi alors la déclaration d'ailleurs du ministre des Transports? Sauf à utiliser le mot transport dans un sens un peu désuet, littéraire, on comprend pas bien, c'est pas son portefeuille en fait, de transporter des gamètes, vous voyez. Et en plus, quand on écoute son entretien, il dit maintenant, mais en fait pas maintenant, donc il en parle maintenant, parce qu'il dit le président de la République n'avait pas prévu dans son programme cette extension, donc faut pas le faire maintenant. Alors pourquoi en parler maintenant? C'est encore plus étrange. Moi je pense que c'est un jeune homme très ambitieux et qu'il ne voulait pas laisser le monopole de la rentrée et politique et de la lumière prise par ses collègues Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Et en plus, je pense qu'il les soupçonne un peu d'être dans une dérive un peu à droite, parce que lui se veut le champion de l'aile gauche du macronisme et de la gauche sociétale. Il a tiré profit du fait que cet été, le Parlement italien avait passé une loi pour interdire l'adoption d'enfants qui ont été conçus à l'étranger par des citoyens italiens avec ces fameuses mères porteuses. Et lui, donc, voilà, il dit « Moi, je suis le défenseur de ce progrès sociétal. Et en plus, je suis à gauche. Pourquoi ?» Il le dit dans l'entretien. Il sait bien que cette GPA coûte très cher, que c'est réservé à des gens qui ont les moyens et qui vont à l'étranger. Mais lui, il veut, voilà, une GPA pour tous, en fait. Ouais. C'est un argument qu'il utilise, qui est un peu celui des capitalistes, qui disent, attendez, chantage à la loi, si vous nous taxez, nous, on va à l'étranger. Ben là, c'est pareil, il dit, regardez, la loi, elle ne fonctionne pas, il y a des gens qui vont à l'étranger. Oui, c'est ça. Les arguments qu'il met en avant, alors, sont-ils vraiment de gauche, justement? Justement, en apparence, ils ont l'air de gauche. C'est d'abord un argument sociétal qu'il utilise, un peu misérabiliste. Il dit, voilà, il y a des enfants qui souffrent dans des familles dysfonctionnelles. Il ne le dit pas comme ça, mais on comprend bien que ce sont des familles traditionnelles, alors qu'il y a des petits cœurs qui saignent de couples qui ne sont pas tout à fait traditionnels et qui voudraient avoir des enfants. Mais il a tout à fait raison, on comprend ça, mais en quoi le fait d'autoriser la gestation pour autrui, donc de nouveaux enfants à naître, va régler le problème des enfants qui sont dans des familles dysfonctionnelles? Justement, l'aide sociale à l'enfance n'a plus d'argent. Ensuite, il y a un argument social, bon, c'est la fameuse GPA pour tous. Très bien, mais on nous explique que les dépenses sociales et dépenses médicales, ça coûte un pognon de dingue, qu'il faut justement faire la réforme des retraites, qu'il faut dérembourser les médicaments. Et là, déjà, si on prend ce qui existe, c'est-à-dire la programmation médicale assistée, la PMA pour les femmes qui ne sont pas fécondes, on sait que ça coûte extrêmement cher. Les FIV, ça coûte 5 à 6 000 euros. Elles ont droit à 6 FIV. Ensuite, tout n'est pas remboursé. Il faut une mutuelle. Enfin, ça paraît assez peu probable que ce soit une mesure de gauche. Oui, mais dernier point, Guillaume Bigot, le ministre Beaune et sa gauche sociétale entend justement éviter ces dérives américaines, quoi. C'est vrai. Sauf que quand on regarde dans le détail, il y a des pays, d'ailleurs, qui ne veulent pas que les femmes soient rémunérées. Mais en fait, ces pays-là n'ont pas suffisamment de femmes pour jouer les mères porteuses. Donc qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de donner une compensation financière. Et bien de toute façon, ça crée tout un business médical, les obstétriciens, l'imagerie médicale, les cliniques privées, etc. Et là, le business se frotte les mains. De toute façon, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas qu'une critique, disons, de droit type défense de la famille traditionnelle ou manif pour tous contre l'extension de la GPA. Il y a Sylviane Agacinski, par exemple, qui a fait un bouquin qui s'appelle Le corps en miettes. Elle explique que le danger, c'est évidemment de faire du corps de la femme un objet de contrat. Robert Badinter se dit, oui, bien sûr, le droit à la vie, c'est un droit, mais est-ce que tout le monde a le droit à donner la vie? Est-ce que finalement, la médecine, ça sert à soigner ou ça sert à permettre à des individus de réaliser à tout prix et quoi qu'il en coûte leur projet. Merci Guillaume.